Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver par l'occasion de vous accueillir au REM Gym. Alors aujourd'hui, vidéo technique sur un exercice de triceps, un exercice d'ailleurs qui a suscité énormément de questions. Il s'agit des extensions poulies en supination, mouvement qui va axer le travail sur vos vastes, mais plus particulièrement sur le vaste interne, appelé également chef médian, et accessoirement les muscles extenseurs de vos poignets qui seront sollicités lors d'une contraction isométrique, c'est-à-dire statique. C'est toujours ça de prix. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble la démonstration technique de ce mouvement en utilisant par défaut une barre droite. À la suite de quoi, je vous proposerai des alternatives, notamment pour les pratiquants pourvus d'un valgus du coude modéré et prononcé, à qui cette version à la barre pourrait éventuellement occasionner des douleurs au niveau des poignets. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer tout de suite ce programme. A tout de suite. Voilà, place à la démonstration technique. Donc dans un premier temps, vous allez vous placer face à la poulie, pied écartement largeur du bassin, léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires, tâchez de gainer un maximum. La poitrine est constamment sortie et les épaules en position arrière. Ensuite, je vais saisir la barre en prise supination. Supination, je vous rappelle, hein, paume de main vers le haut, en veillant à ce que mes mains soient continuellement dans l'axe de mes avant-bras. Ne cassez surtout pas les poignets, c'est votre canal carpien qui n'apprécierait pas du tout. À la suite de quoi, je vais placer mes coudes le long du corps en veillant à les fixer, c'est-à-dire qu'ils ne bougeront pas. On ne devra pas assister à de mouvements de tiroir durant le mouvement. Seuls vos avant-bras devront bouger. Une fois en position, le mouvement va consister sur la face concentrique à effectuer une extension en contractant fortement et en expirant. Et sur la face excentrique, remonter au-delà de 90 degrés. Je vous rappelle que vous avez une poulie qui vous offre une tension continue. Donc ce serait dommage de ne pas profiter de la capacité de stretch qu'elle vous offre. Voilà, il est à noter que la prise supination, contrairement à la prise pronation, ne nous met pas dans une position de force, donc ne nous permettra pas de manipuler des charges très lourdes. Donc utilisez plutôt des charges légères, voire moyennes, et cet exercice d'isolation sera plutôt à effectuer en fin de séance. Alors quelles sont les alternatives pour les pratiquants, notamment pourvu d'un valgus du coude modéré ou prononcé? Petite parenthèse, si vous ne savez pas ce qu'est le valgus du coude ou si vous ne savez pas comment déterminer le vôtre, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo, elle sauvera peut-être vos articulations et vos tendons. Alors concernant les pratiquants pourvus d'un valgus du coude modéré, pas de barre droite, utilisez plutôt une barre EZ qui aura le mérite de maintenir un alignement segmentaire et ainsi soulager grandement vos poignets. Quant aux pratiquants pourvus d'un valgus du coude prononcé, pas de barre droite, pas de barre EZ, effectuez plutôt cet exercice en unilatéral avec une poignée. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les extensions poulies en supination, un mouvement que je vous invite à tester dans le cadre de vos séances pour travailler différemment vos triceps. Personnellement, je l'effectue plutôt en fin de séance, c'est-à-dire en guise de finisher. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Un Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis. Ciao, salut.